วัสดีครับผมชื่อบูรังครับผมอายุ25ครับช้างชื่อนามูเลนามูเลเป็นว่าลูกสาวครับอายุมูเลก็เสียดีกว่าครับผมผมนามตรงนี้2ปีแล้วครับทำงานทั่วไปยังไงอีกนะยังไงกินอีกทีแรกผมคิดว่าแค่ผมมาทำงานช้างแต่อยู่ไปอยู่มาแค่เป็นรักช้างก็เลยว่าชอบรักช้างไปแล้วชอบช้างไปเลยอยู่กับมันนี่เราสนุกด้วยเป็นทุกข์ด้วยครับมีหลายอย่างที่เราจะเล่าไม่ได้หลายอย่างครับเล่าไม่ได้มีหลายอย่างมากมาเป็นคู่แผ่นดินครับคู่แผ่นดินเมืองไทยเลยช้างสาธิตสร้างกันที่สุดอะสำหรับแผ่นดินแปลกก็ตรงนี้ก็ยังไม่แปลกยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่รู้ๆนี่มันรักคนช้างรักควายมากครับอาการแปลกๆนี่ยังไงมึงComment évoquer cette dualité si ambivalente entre l'homme et l'éléphant? Une escale à Nantes va m'en donner l'idée. Inventée par une compagnie de théâtre de rue, le grand éléphant, l'emblème de la ville, attire les foules. À la croisée des mondes imaginaires de Jules Verne et de Léonard de Vinci, l'impressionnante ossature de bois et d'acier donne à ses passagers la sensation d'être les rois du monde, le temps d'une promenade mécanique. Mais existe-t-il, comme Barbara Godwin l'écrit dans son roman à succès, un lieu sûr pour les éléphants, une sorte de paradis où les pattes arrière que nous sommes ne chercheraient plus à les dominer, n'en voudraient plus à leur viande, à leur ivoire, ou pire, à leur âme ? Ce lieu sûr, c'est en Asie, là où l'éléphant pourtant réputé sacré figure sur la liste rouge des espèces menacées, que je décide d'aller le chercher. Arme de guerre transformée en bête de somme, la majorité des éléphants en Thaïlande sont domestiques, pour le pire ou le meilleur. บางคราวก็อยากจะฝันบางทีก็อยากจะรู้ใครมีความหมายในใจของเธอใจน้อช่างหัวปลายมองฉันอย่างเมินเชยใครน้อใครเล่าเอ่ยจะอดทนก็เป็นได้คนหนึ่งที่รักเธออย่างเปิดเผยไม่เคยได้รักหลับคืน Mon enquête débute à Bangkok, la capitale thaïlandaise. La remontée du fleuve Chao Phraya qui traverse la ville est idéale pour se mettre dans la peau du parfait touriste. L'équipe des enquêtes au Choya TV va se prêter au jeu de l'immersion. Elephants here, elephants on the poles, elephants everywhere. Je sais pas s'il nous comprend en fait. J'ai l'impression qu'il comprend parce que. Do you speak English? A little. Tu parles pas un peu thaï toi? T'as pas dit que tu parlais thaï avant. Pika. Pika kampom. Mi kamtan. Kamai ni chang ye ye.ทำไมมีช้างที่นี่มีช้างผ้าทำไมที่นี่มีช้างไทยแลนด์ Elephant good luck D'accord, l'éléphant porte bonheur, oui, mais encore. Moi, c'est la première fois que je viens ici en Thaïlande. Je viens juste d'arriver là ce matin, j'ai rejoint mes amis. Ma pas de Thaï, clang, rang. Ma, tout ciao, tout ciao.Et je vois des éléphants partout. Il y en a partout. Painting,
ช้างกับคิงมันจะคู่กันใช่ไหมเมื่อก่อนนะคิงบูดามใช่ใช่ใช่ใช่ใช่และจองใช่ใช่เมื่อสมัยก่อนคิงก็จะนั่งช้างลบคิงอะไรประรำพระนอนหัวใจนานแล้วประมาณนานนานหลายร้อยปีหลายปี400ปีประมาณนั้นสี่ห้าร้อยปีคิงก็ยังใช้ช้างเป็นด้วยกันเพื่อนกันใช่ใช่แบบเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคิงเขาเลยนับถือคิงกันนับถือช้างEt donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles l'éléphant est vénéré aussi, parce que c'était l'animal choisi par le roi. Et c'est, dans ce qu'il dit, c'est associé à la royauté. Ils ont une histoire en commun. Nya-chang, c'est éléphant. Le célébrissime Bouddha couché du temple de Wat Pho incite à la méditation. Sampan, mon guide, est un pro de la respiration ventrale. Pas mal pour se remettre des 6 heures de décalage horaire, mais l'éléphant reste mon idée fixe. Elephant is the great soldiers of Thailand because in the former time we used elephant from the tanks. Then you know elephant understand the human language really well.Because the memory in the head of the elephant is bigger than human. You may not believe the elephant can draw a picture. Can draw the picture of the flower, the picture of the face of my king. It's sad to talk about that, but the elephant is my family. The very holy and the virtuous family of Thai people. Because in the former time,Friends for the soldier, friend of the kings. We believe elephants is like a very, very famous ancestor. Bouddha, le roi, l'éléphant, la boucle est bouclée. Voici donc les trois piliers du pays du sourire.Avec près de 30 millions de visiteurs en 2015, le tourisme en Thaïlande bat des records. Et mon nouvel animal fétiche paie cash la rançon de la gloire. Comment et surtout à quel prix l'un des fondements sacrés de la Thaïlande a-t-il pu être transformé en artiste peintre ou en bête de cirque ? Qu'ils en soient victimes ou responsables, les hommes et les éléphants s'affrontent dans des accidents à répétition. La confiance est rompue. À moins de 300 km à l'ouest de Bangkok, le pont de la rivière Kwai annonce l'arrivée prochaine dans ce fameux lieu sûr pour les éléphants que je cherche. Au crépuscule, les montagnes birmanes dévoilent leurs courbes énigmatiques. Ici, le soleil se couche avant 19h, les éléphants aussi. Alors, il me tarde de faire leur connaissance.La route a été plus longue que prévu. Mon lieu sûr est vraiment à l'écart des sentiers battus du tourisme thaïlandais. Coucou. Bonjour tout le monde. Désolé, on arrive avec beaucoup de retard. On t'attendait pour midi, mais tu n'avais pas dit quel jour. François est le créateur de cette communauté homme-éléphant. Elle est à son image, hors norme. Il y a l'autre Christine qui est là-bas. Ok. Christine qui s'occupe...Éléphant thérapie, c'est ça ? Chaque année, Ganesha Park accueille pendant plusieurs semaines Christine et ses stagiaires en éléphant thérapie.
mais aussi de jeunes éco-volontaires ou de simples touristes, pour la plupart venus de France. Bonjour. Kenji? Non. Non? Non. Pepito. Pepito? Non. 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 Christine. Enchantée. Non, c'est comme ça? Ça? Là, c'est l'éléphant. On y va? On voit les éléphants? Ben, ils sont là. On peut approcher? Ah ben, avec eux, il n'y a aucun problème. Ouais, alors on y va. Alors c'est une toute vieille celle-là. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu pleures? Ouais, ça fait mal à l'œil. Comment elle s'appelle? Jintala. Jintala. C'est le nom d'une vedette locale, une espèce de chula. Non, moi c'est Christine. Salut. Alors elle, quand elle est arrivée ici, c'était un tas d'os. Ah bon? Alors, je peux te montrer la photo, mais tu pleures quand tu la vois. Mais et pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, elle était mourante dans un camp d'éléphants, quoi. Un camp à touristes? Oui, ils viennent tous de camp à touristes. Hein. D'accord. Plein de trucs sur vous. Alors je suis venue voir. Bonjour. Salut. C'est Yanni, c'est notre plus ancien éléphant. C'est notre premier éléphant, elle. Yanni? Oui. Salut Yanni. Eh, hey, tu m'as fait un clin d'œil. Cool. Ouais. Moi aussi je sais pas. C'est la plus jeune et la plus ancienne. Donc c'est la première à être arrivée? Oui. Et c'est la plus jeune, quel âge elle a? Une quarantaine d'années. Et son histoire, c'est quoi? Pareil? Oui, de toute manière, ils viennent tous de camp à touristes. Hein. Donc ils arrivent tous en mauvais état, mais elle, maintenant, elle est magnifique. Oh, mais elle est... Elle est pleine. Hein. Elle attend un éléphant? C'est pour quand? Fin juillet. Fin juillet? C'est 22 mois de gestation, hein. On surveille ça. Et ça sera la première naissance ou ici ou pas? Oui. Ça sera la première naissance? Oui. La vie de Yanni, la matriarche, et de ses co-religionnaires, toutes rescapées des traumatismes du tourisme de masse, est une succession de rites quotidiens. Chaque soir, pendant la saison sèche, c'est au bord du lac qu'elles se nourrissent des bananiers et des feuilles d'ananas que leurs maouts sont allés chercher pour elles. Pour rassasier leur immense cuirasse, ces herbivores ingurgitent en moyenne chaque jour 300 kilos de végétaux, environ 10% de leur poids. Bientôt, quand la saison des pluies reviendra, ces éléphantes trouveront dans la forêt de quoi pratiquer leur sport favori, manger. Aucun éléphant ne tue d'autres espèces pour se nourrir. Leur chaîne n'est là que pour dissuader ces éléphantes domestiques d'aller satisfaire leur insatiable appétit dans les plantations voisines. Avamankara jayo jamana poa sakuna sasato papa kavo tuo tuvina akanta muhtanu pavina vina sabendu yanto nimita avamankara jayo jamana poa
Ici, c'est un peu une sorte de grande famille. Hein. On est tous très, très liés les uns aux autres. Lui, c'était un gars que je connaissais depuis pas loin de 10 ans, 8 ans, disons. On était tous très attachés à lui, donc son départ, ça a été un très, très gros choc pour nous tous. C'était un excellent maout et en plus un très bon copain. Dans les camps touristes, ils ont une façon de traiter les éléphants qui ne correspond pas du tout à ce qu'on fait ici. Et justement, ils souhaitaient faire quelque chose de plus soft que ce qu'ils font là-bas. Donc il est venu chez nous. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'éléphants, donc il n'avait pas beaucoup de travail. Il est reparti travailler ailleurs et c'est là qu'il a eu son accident. Il y a deux sortes de maouts. Il y a ceux qui sont maouts parce que c'est un travail, comme on pourrait être chauffeur de taxi ou autre chose. Donc ceux-là, à la limite, ça ne les dérange pas beaucoup. Et puis il y a ceux qui aiment vraiment leur éléphant. Et là, forcément, ils ne sont pas à l'aise dans ces camps-là. C'est normal. เป็นการไล่เพราะว่าช้างนี่อยู่ในป่าแต่มีพูดผีปีศาจสิงสถิตมาติดมาก็เป็นการไล่พูดผีปีศาจและเป็นมงคลแก่เจ้าของแล้วก็สถานที่แห่งนี้แล้วก็พวกในสตาฟงานด้วย Est-ce que ça veut dire que ici dans votre pays et dans votre religion les éléphants ont une puissance spirituelle? ช้างนี่ เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสมัยก่อนนี่มีมหากษัตริย์นี่ก็ใช้ช้างนำหน้าในการออกศึกรบทัพจับศึกทั้งหมดที่ได้แผ่นดินมาก็ใช้ช้างที่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรืออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าแผ่นดินนี่จะต้องใช้ช้างเนี่ยสร้างเมืองทั้งหมด สร้างเมืองหมายถึงว่าใช้ช้างเนี่ยไปรบชนะมาก็ใช้ช้างในการทำพระราชพิธีต่างๆก็ใช้ช้างเพราะเป็นสิริมงคลเพราะเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์ที่รู้บุญคุณของคนอันนี้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ต่างคนต่างอยู่ ก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นภาวนาไม่ให้เกิดแล้วก็เราไม่ควรจะไปทำทรมานกับเขามากเกินไปแล้วก็หยุดต่างคนต่างหยุด ชอบร้านนะยุบเลยยุบเลยยุบช้อเออน้อช้อเอาได้ ก็ชอบมาแล้วตาดีได้ย่อมีชอเออเนาะเข้าได้เอออ๋ออ๋อเสร็จแล้วเฮียโอ้โหอ๋อโอ้ที่คนรอจะสิ่งยากอยู่ใช่เย้รอเนี่ย À quelques dizaines de kilomètres de Ganesha Park, à la frontière birmane, j'assiste à une scène devenue rare en Thaïlande. Depuis 1989, lutte contre la déforestation oblige, la loi interdit d'utiliser les éléphants dans les forêts domaniales. Pendant des siècles, pourtant, ils ont involontairement contribué à détruire leur habitat naturel au service de l'homme.
Comment on fait pour qu'un animal aussi grand, aussi puissant, obéisse à un humain comme vous? Comment vous y arrivez? Il faut tout faire pour qu'il ait peur. C'est-à-dire qu'il faut le traumatiser pour qu'il ait peur. En plus, c'est un éléphant qui a été toujours dans la forêt à tirer du bois. Donc ça veut dire qu'il est dans son monde, dans son milieu naturel, cet éléphant. Quand il n'y a pas de bois, l'éléphant n'a rien à faire et ça ne rapporte pas d'argent, donc il doit aller travailler dans les routes de tourisme. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez travailler en forêt ou travailler dans les camps de touristes avec votre éléphant? Vous l'aimez? Et en même temps, il a beaucoup souffert, cet éléphant, pour être dressé. Donc quand il fait rien de mal, l'éléphant, il aime et il a pitié. Mais si quand il commence à être dangereux, il est obligé d'être dur avec lui. Employé par un propriétaire privé, Pratchana l'éléphant charrie 50 arbres par jour, à raison de 50 bahts par arbre, à peine plus d'un euro. Le forçat de la forêt et son mahout pourraient-ils basculer sans dommage dans l'autre monde, ce lieu sûr imaginé par François à Ganesha Park? L'expérience a été tentée, elle a échoué. Contrairement aux femelles, les éléphants mâles s'adaptent plus difficilement à cette alternative touristique qui bannit la violence. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk once whispered to the ear of one inferior. The by next June he'd die, oh yeah, because the tiger would roam. Little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl. And I'll be really safe, you know, the elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread to zebra, mongoose and the dirt. The hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippo plankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said to me, you know, I wouldn't hurt no one of you, I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. Il faut l'enlever.
คุณชื่ออะไรครับผมชื่อวิน16ปีครับทั้งผมชื่อจินตลาอายุ63ปีครับผมเป็นมโหสถ2ปีครับชอบจินตลาเพราะมันเป็นช้างตั้งแต่ผมมาวันแรกกี่มันแล้วมันน่ารักด้วยเช้าก็ไปจับช้างแล้วก็ลงน้ำแล้วก็เดินไปท่าแพแล้วก็กลับมารอฝรั่งแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาลงกับมีชะปักContact des éléphantes et de leur environnement naturel, les stagiaires de Christine, l'éléphant thérapeute, se métamorphosent. Au fil des jours, les valises de la vie leur paraissent soudain moins lourdes. Pour un étranger, vivre à Ganesha Park suppose de ralentir le rythme, de vivre en osmose avec les hommes et les animaux. Elle est en bas, hein. Courage, Valérie. J'avais les pieds qui tremblaient, j'ai couru, elle a marché. Elle a marché, regarde, t'imagines pas. Bah oui, j'ai fait le CP. Un bambou. Un bambou. Un bambou. C'est-à-dire qu'elle vous a emmené dans la terre, elle vous a roulé dedans, vous avez vu quoi ? Ça a commencé par une méditation dans l'eau, avec les éléphants. Et puis après, effectivement, un bain avec les éléphants toujours. Et le sens de tout ça, c'est quoi ? Se rouler dans la terre. Ben, je pense que c'est une sorte de, d'enracinement. Reprendre contact avec la matière et s'enraciner. L'éléphant, c'est une mémoire ancestrale. Donc c'est vraiment lié à la terre. Je ne ressens pas le besoin de monter sur les éléphants. Je ressens le besoin de marcher à leur côté, d'égal à égal. Je veux pas cette sensation de... C'est un petit peu, quand on échange, c'est toujours bien d'être à la même hauteur. Si je me lève, c'est pas, la discussion ne sera pas la même. Mais là, c'est pareil avec les éléphants. Si je marche dans ses pas, à son rythme, je sens une harmonie. Je ne sens pas cette harmonie si je suis sur l'éléphant. On prend conscience de plein de choses qu'on n'a pas, nous. En Occident, on ne voit pas ce qui se passe au niveau de la vie des éléphants, et c'est terrible. Donc, on reçoit ça en plein cœur. C'est moche, ce tourisme, c'est moche. Enfin, moi, je trouve que c'est moche, j'aime pas. Moi, j'avais pas vraiment conscience au départ de la façon dont ils étaient élevés pour le tourisme. J'étais très choquée quand j'ai fait des recherches sur Internet pour voir comment c'était, mais choquée au point que je pleurais. J'ai mis énormément de temps à me remettre de la vidéo que j'avais vue. Et j'ai pris encore plus conscience quand je l'ai vu ça dans les camps. Quand j'ai vu les éléphantaux avec ce regard complètement hagard, comme s'ils avaient quitté leur corps. «
combler le manque à gagner engendré par l'arrêt du travail en forêt avec les éléphants, des camps à touristes, comme celui-ci, se sont développés. Un éléphant peut supporter jusqu'à 150 kilos sur son dos. Rentabilité oblige, la charge humaine contenue dans la nacelle, dont on les harnache, dépasse régulièrement ce seuil raisonnable. Immersion touristique oblige, notre caméraman et notre ingé son tentent l'expérience. 400 bahts thaïlandais, moins de 10 euros par jour pour deux, c'est le tarif de cette balade sans âme à dos d'éléphant. Beaucoup de ces bêtes ont été arrachées à la jungle et à leur mère dès leur plus jeune âge, une pratique désormais illégale en Thaïlande. Pour asservir rapidement cette puissance de la nature, le fanjan, une manière ancestrale de séparer le corps de l'esprit, est encore pratiquée dans toute l'Asie du Sud-Est. L'animal garde en mémoire les traumatismes subis et s'exécute pour ne plus les revivre. L'immense majorité des touristes servent involontairement le système par manque d'informations. Informés, les stagiaires de Christine, eux, le sont. La visite dans ce camp fait partie de leur thérapie. La méthode consiste à s'infiltrer en douceur dans les failles du système, en apportant ne serait-ce que quelques heures à ces esclaves du tourisme du plaisir. À commencer par celui de manger ou de boire. Dans les camps, les éléphants sont privés de nourriture de longues heures durant. Une torture pour ces herbivores à qui l'instinct commande d'ingurgiter des fruits ou des feuilles toute la journée. Pour François et son fils Kenji, ce camp à touristes n'est pas comme les autres. C'est ici que Wassana est maintenu en captivité. Ça fait 10 ans que je rêve de cet éléphant. Pourquoi ? On s'entend bien et puis elle a envie de venir chez moi, j'ai envie qu'elle vienne chez moi, donc c'est pas encore fait, ça va venir. Elle est belle. Wassana, c'est quand François m'a parlé de cette éléphante qu'il n'avait pas revue depuis longtemps, il avait peur d'aller la voir parce qu'elle était dans un camp. C'est là que j'ai senti que c'était très important qu'il la revoie et que je la connaisse. Ce même soir, on a rêvé tous les deux de Wassana. On a décidé d'aller la rencontrer dans le camp. François n'était pas bien sûr du camp où elle était, donc il a demandé et on s'est retrouvés donc dans un gros camp avec une quarantaine d'éléphants. Et là, il ne l'a pas retrouvée. Au moment où on allait partir, il m'a demandé « t'as pas envie de faire un tour de nacelle ?» Je lui ai dit « ouf, tu sais, tour de nacelle, moi, c'est pas mon truc. » Il dit « essaye pour voir la différence, tu verras bien. » Avec le fait d'être sur un éléphant sans nacelle. Je dis ouais, c'est vrai, je veux bien faire l'expérience. Et là, je suis montée sur l'estrade et en fait, les éléphants font la queue et on choisit jamais son éléphant. Et donc, je suis montée dans la nacelle et j'ai demandé au Mahout quel était le nom de l'éléphante. Et c'était Wassana. François s'est approché d'elle, elle l'a reconnue. Et je me suis dit, faut vraiment que je monte une association pour elle parce qu'il faut la sortir de ce camp. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche ? Il faut arriver à convaincre le propriétaire. On va y arriver. Ça fait que 10 ans. C'est rien, les chaînes de la terre. Il estime que cet éléphant-là, c'est son porte-bonheur. C'est assez difficile de le faire lâcher. Mais il ne s'en occupe pas du tout. Hein. Il habite à 500 km d'ici, il vient l'avoir deux fois par an. L'argent ne joue pas là-dedans, dans cette histoire ? C'est sûr que ça en amène, tout se vend toujours. Si tu amènes énormément d'argent, tu peux la prendre. Mais d'abord, je ne les ai pas. Et puis, je vais offrir un prix convenable. Sur le prix, il n'y a pas de souci, mais c'est sur la décision de la lâcher. Ça commence un petit peu. C'est comme une assurance vie, alors, finalement, pour lui, pour le propriétaire. Dans tous les sens du terme, non ? Ouais, je pense, un peu ça. Donc elles ont faim ? Ça mange tout le temps, un éléphant, c'est tout le temps faim. Mais est-ce qu'on leur donne tout le temps à manger ? 6 mois, hein. Chez nous, oui.
Bah, t'as vu l'éléphant qui était dans la forêt, il était bien, relativement bien, parce qu'il mangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est leur rythme à eux, les éléphants. Ils font un repas par jour, mais c'est de 0h à 24 heures. Elle revient. Ouais. C'est en caressant sa langue que l'on peut, paraît-il, toucher le cœur d'un éléphant. Kenji a conquis celui de Wassana depuis son enfance. On a tellement eu un coup de cœur pour cette éléphante qu'on a décidé d'amener les stagiaires voir cette éléphante. Et on a demandé au Mahout de ne rien faire, de ne pas lui faire faire, lever la trompe, se coucher, trompeter. Ils étaient perdus, les Mahout étaient perdus et Wassana était perdue aussi. Parce qu'il n'y avait rien à faire, elle ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Et je me souviens que les stagiaires aussi étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. C'était vraiment précurseur, donc en fait on était tous un peu perdus. On essaye de prendre une éléphante différente à chaque fois. Et ce qui est très très fort, c'est que Wassana rassure l'éléphante. Et l'éléphante, au départ, est aussi perdue. Wassana l'entoure de sa trompe, reste avec elle. Et petit à petit, l'éléphante se calme. Et l'éléphant aussi commence à s'apaiser et commence à transmettre aussi cette énergie de guérison dont les humains ont besoin. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai demandé... À François, je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut offrir un bain aux éléphants? On paye, on est tous là, on paye, on leur offre un bain. Au lieu de payer pour monter dans une nacelle, est-ce qu'on peut, voilà, on leur offre un bain. Là, elle est heureuse de votre cadeau, hein? Ouais. Là, on ne peut pas lui faire plus plaisir, je crois. C'est un boulot assez physique, le travail de Mahout. Ouais. Oui, oui, bah oui, déjà. Avant de prendre quelques jours de vacances, Pepito s'occupe ce soir encore de Yanni, la matriarche du domaine. Il voudrait tant que son éléphante donne naissance à un petit dans quelques semaines. Salut Pepito. Hey, Loupo. Coucou. Qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qui, est le, qui te procure le plus de joie? Et tu penses que tu vas faire ce travail longtemps dans ta vie? Non, ครับ. Pourquoi? Tu aimes ce boulot? ก็อยู่กับช้างตัวนี้นะครับ. T'as quel âge, au fait? Je m'ai demandé. 19. 19. Est-ce que tu te souviens comment ton histoire avec elle a commencé? เหนื่อยอยู่ฮะแล้วหลังมามันสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็มาถึงทุกวันนี้ครับ. Au début c'était dur pour lui, hein, François, apparemment. C'est que Yanni, elle était avec un autre Mahout avant, Kenji en l'occurrence, qui a dû partir. Et donc lui s'est retrouvé avec un éléphant qui était un peu perdu et avec un éléphant qu'il ne connaissait pas du tout. Donc forcément il a eu une période d'acclimatation qui n'a pas été évidente. Et finalement ça s'est très très bien passé. Est-ce que tu peux me raconter les trucs que tu as eu toi pour gagner sa confiance? Comment tu as fait concrètement? Comment ils peuvent faire, François, ces jeunes Mahout, pour inventer finalement une autre manière d'être avec les éléphants, puisque c'est pas ça qu'on apprend ici, c'est leurs aïeux, c'est pas comme ça qu'ils sont faits. Non, même lui, au début, il a commencé dans un camp tape dure, entre guillemets. Donc il travaillait avec la méthode dure, et quand il est arrivé ici, on a dit qu'il fallait arrêter de taper avec les éléphants, qu'il fallait les considérer comme des amis. Et c'est ce qu'il a fait, il a tout mis avec son cœur, et c'est comme ça que ça s'est bien passé, en fait. Et dans le camp où tu étais avant, concrètement, comment vous faisiez pour faire avancer les éléphants avant, dans ton autre vie?
On n'est pas sûr qu'elle attende son bébé. C'est juste un espoir. 70%. C'est pas certain, certain, il dit. Mais toi, ta conviction, c'est quoi? Me? Je pense qu'il y en a. Mais le. Bon, si, si un bébé, il est là. Hein. Ah bon? On parle là. S'il y en a un. Il n'y a pas un vétérinaire qui peut venir? Il y en a un qui dit c'est oui, il y en a un autre qui a dit c'est non. Alors, ah bon? Ah, on y va. On est en train de tirer face. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que dès qu'elles se sont baignées, elles se mettent plein de terre à nouveau. Pourquoi faire? Ça sert à quoi toute cette terre? Pourquoi elles se balancent de la terre comme ça? L'on, hein? L'on, c'est parce qu'il fait chaud, c'est pour se protéger. Et en même temps, ça emprisonne les parasites qu'il y a sur la peau. Parce qu'ils mettent de la terre sur le dos, ça emprisonne les parasites, ça sèche. Et après, ils prennent des feuilles, ils tapent, et ça fait tomber tous les parasites en même temps que la terre. Et après, ils recommencent. D'accord. Mais ça les protège du froid ou du chaud, suivant le cas. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir envie, dans tes rêves justement, de remettre les éléphants en liberté, dans la forêt, comme avant, comme avant tout ça, quoi. Il aimerait bien. Tu aimerais bien? C'est une réponse un peu courte. C'est déjà beaucoup. T'as fini là avec elle? C'est bon? On peut la laisser? Alors, on va lui dire. Ok, on y va alors. Le domaine, c'est un cercle parfait entouré de bras d'eau. Dans les chansons et les poèmes anciens, il s'appelle le lieu ou l'île. À Ganesha Park, la vie des hommes, comme celle des éléphants, se déroule dans un rythme immuable et paisible. Sauf pour François. Son visa, comme celui de son fils Kenji, expire aujourd'hui et chaque renouvellement est un réel parcours du combattant. Un peu, c'est les problèmes administratifs et tout ce qui va avec. On est étranger, hein, et la plupart des gamins qui travaillent ici sont d'origine birmane aussi, donc bah, il faut faire des papiers. Je passe plus de temps devant l'écran que devant les éléphants en ce moment. Mais c'est pas grave, hein. Les éléphants, ils attendent. Puis moi aussi. C'est impressionnant.
En plus, comme c'est tout écrit en taille, ça c'est les photocopies des passeports. Ça c'est juste pour faire une demande de visa, pour avoir le droit de rester dans le pays. Enfin, il y en a, je sais pas, il y a 150 pages. Kenji maîtrise parfaitement la langue du pays. Il est donc un allié précieux pour son père. Il y a un truc qui dit qu'on ne doit pas partir. C'est quoi ce truc? C'est l'énergie positive. On va y arriver. On doit s'occuper des éléphants, on va pas quitter la Thaïlande. Hein. C'est le visa qui fait tourner la tête, on va dire. Le plus fort, c'est quand je suis devenu maout. Ah oui? Ouais. Pour moi, ça a tout changé pour moi. Quand je suis devenu maout, ben, j'ai quitté l'école pour les éléphants. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Et là, maintenant, mon projet pour moi, c'est d'aider mon père le maximum. Et rester avec les éléphants. Comment on devient maout? Bah, en fait, c'est une question d'habitude d'abord. Et après, quand t'es vraiment tout seul avec l'éléphant, c'est là que tu connais l'éléphant, tu vois. Tu commences à connaître l'éléphant, qu'est-ce que c'est, hein? C'est quoi un éléphant et tout ça. C'est là que tu sais. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris à être maout. J'ai pris, pour être bon maout, c'est-à-dire pour bien connaître les éléphants, j'ai pris un an. Quand on le dirige, il faut dire vraiment avec le cœur. Tu vois, quand tu dis avance, si tu dis juste avance, avance, avance. C'est pas du tout un ordre. Il faut vraiment dire avec le cœur. C'est avance, ou alors t'as pas besoin de crier, tu dis à ton rythme. Comment tu dis en thaï? Moi, c'est pas en thaï. Tu lui parles en français? Peut-être un peu français et un peu thaï, mais en général, c'est thaï. Comment tu dis? Quand je dis paï, c'est paï hu. Tu vois, quand tu le dis, t'as tout de suite le cœur avec. Bon, moi, c'est comme ça. Hein, et c'est comme ça que l'éléphant obéit, commence à obéir. Ouais. Donc le taco, là, le taco, c'est pas utile. C'est utile juste quand il y a un cas d'accident. Il y a un urgent, quoi. Le taco, ouais. Donc pas... tu montes sans taco? En général, je monte sans taco, moi. Ouais. Le taco, l'outil traditionnel du maout, fait d'un bâton en bois surmonté d'un pic en métal, est un symbole. Selon la manière dont il est utilisé, il a servi ou accompagne. Wassana, elle m'a sauvé la vie. Parce que dans les camps de touristes, il y a deux barrières. Tu vois, il y a une table très haut pour faire monter les touristes et les éléphants en bas pour qu'ils montent sur les selles. Donc entre les deux, il y a un éléphant. Mais là, il n'y avait pas d'éléphant. Il y avait le barrière et l'autre barrière. Donc je voulais sauter, mais je n'ai pas sauté. Et donc j'ai mis les deux mains comme ça et les pieds comme ça. Donc j'étais coincé comme ça, je pouvais pas bouger. Si je lâchais, je tombais par terre. Il y avait 2 mètres d'hauteur. Voilà. Et d'un seul, j'ai regardé comme ça. Ah, je me souviens vraiment. J'étais comme ça, je savais pas quoi faire. Je criais pas, il y avait personne, il y avait que les éléphants. Et d'un seul coup, il y avait un éléphant qui est venu, c'était Wassana. Elle est venue, elle m'a pris dans la trompe en dessous. Elle m'a pris avec la trompe, avec sa trompe. Et je me suis accroché à sa trompe. Et elle m'a pris, elle m'a tiré. Elle voyait que j'étais en panique, quoi. Ça, c'est inoubliable, ça. Wassana. Morning. Benoît. Ça va aller, hein? Oh, non, pas de non, t'as l'air. Morning. Bonjour. Je m'appelle Sani, ครับ. ผมอายุ21ครับผมขี่ช้างมา5ปีครับ5ปีกว่าแล้ว C'est un gamin qui traînait dans le village voisin. Il va avoir 13 ou 14 ans à l'époque.
Et nous, on venait de s'installer ici. Et un jour, on est passé avec deux éléphants, on est passé dans le village. On a traversé le village. Lui, il n'avait jamais vu d'éléphant de sa vie, donc il a trouvé ça impressionnant. Il a suivi les éléphants, il est venu jusqu'ici. Il est passé devant la cuisine, il a vu qu'il y avait à manger, il s'est assis, puis il n'est jamais reparti. Un jour, on a reçu un vieil éléphant, un très vieil éléphant qui était dans un état épouvantable. Et le maout qu'on avait pressenti pour s'en occuper, quand il a vu l'éléphant, il est parti en courant. Et San, à ce moment-là, on n'avait personne avec nous. San, il a dit, je vais m'en occuper de votre éléphant. Il dit qu'il ne sait rien, il n'était jamais monté sur un éléphant de sa vie. Et il a mis tout son cœur, et c'est extraordinaire, ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'elle est là. Et elle, alors qu'elle était mourante quand elle est arrivée ici, elle va super bien maintenant. Et elle s'appelle ? Sendao. Ça veut dire la lumière de l'étoile. L'histoire d'amour entre San et sa mère spirituelle a failli mal tourner. Elle n'a dû son salut qu'à la présence à ce moment-là à Ganesha Park de James Dumaine, un caméraman amoureux lui aussi des éléphants. En 48 heures, ces images ont mobilisé l'opinion et généré les dons nécessaires à l'achat de Sangdao que son propriétaire voulait reprendre. Quand on a fait venir Sendao ici, elle était mourante. Un vétérinaire nous a dit, je n'en donne pas 2 mois. Et donc on ne l'avait pas acheté. Elle en voulait 400 000 bahts, ça fait 10 000 euros, c'était ridicule. Je ne pouvais pas me permettre de prendre ce risque, mais je n'avais même pas les moyens. Et donc on l'a pris en location, et puis on l'a gardée. Là, il savait qu'elle allait mourir bientôt. Et 2 ans après, elle était en pleine forme. Le propriétaire, il est passé par là, il a dit, oh, mais elle va bien, et hop, je la reprends. Le boom du tourisme, conjugué à la raréfaction de l'espèce, fait grimper le cours de l'éléphant en Thaïlande. En forme, un pachyderme se négocie jusqu'à 50 000 euros, 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Benoît. ตอนนี้มีช้างหนึ่งอยู่ในใจทุกคนบอกว่าผมคุยกับช้างได้สมองคุยกับช้างได้มันก็เลยพูดสมองก็ช้างไม่ต้องบอกไม่ต้องใช้ปากใช้ที่นี่สมองกับช้างคนนี้รู้เรื่องช้างรู้เรื่องมาพูดก็รู้เรื่องนอนลงนอนลงเอาเน่ง
Au terme de mon voyage, Ganesha Park, le lieu sûr que je cherchais, m'apparaît comme une passerelle entre deux mondes, entre deux visions du rapport entre l'homme et l'animal. Pour la franchir, il faut suspendre son jugement, oublier ses peurs et croire à ce sentiment pas toujours très cartésien qu'on appelle l'amour. Quand je vois la disparition des éléphants, ça me tient à cœur que les humains comprennent qui ils sont vraiment, mais vraiment. Et combien ils sont importants pour nous. À partir du moment où les éléphantes vous touchent d'un regard, je crois qu'après, vous êtes décidément invité à aller les rencontrer. C'est concret maintenant, c'est concret. Je fais déjà plein de choses avec les animaux, mais là, ça va être à un autre niveau, je pense. Je ne sais pas encore quoi. Il va falloir que ça se mette en place, mais il va y avoir autre chose. Heureusement, il y a des gens qui aiment les animaux. Donc ceux-là, en principe, refusent d'aller, quand ils sont informés, refusent d'aller là où les animaux sont maltraités. Et puis, quelque part, c'est bien parce qu'on emmène quelque chose de nouveau. Ils voient que les touristes, on peut proposer autre chose que de monter sur le dos de l'éléphant. On peut payer pour emmener les éléphants prendre un bain et c'est vachement plus sympa, plus beau et plus agréable pour tout le monde. Prendre conscience qu'on peut prendre du plaisir comme là nous en ce moment, à la limite monter avec sur l'éléphant mais accru, se baigner à côté d'eux, se promener avec eux, partager des choses, c'est vraiment important parce qu'on leur apporte de la douceur en les arrosant, en étant en présence à côté d'eux, plutôt que de les martyriser, à les utiliser pour soi, sans être dans le partage. Donc ça, c'est vraiment un message que j'aimerais donner au monde entier. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais voulu faire autrement? Oui, j'ai un gros regret, c'est de ne pas avoir fait tout ça plus tôt. Qu'il y a toujours la possibilité que l'un de nous tombe par hasard sur le lieu sûr lui-même. N'y a-t-il pas de pattes arrière là-bas? Il y en a, mais ils sont d'une toute autre espèce, pacifique, ravi. Ils ne convoitent pas nos défenses? Ils ne convoitent ni nos défenses, ni nos pieds, ni notre chair. Sur leur face s'épanouit un extravagant sourire. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'arrives pas à y croire? Moi-même j'y crois à peine en fait. Et pourtant, toute cette histoire m'est familière, comme si je l'avais rêvée.